Le panda géant ou grand panda, couramment appelé panda, est un mammifère de l'ordre des carnivores et de la famille des ours. Le panda géant est une espèce de mammifère, habituellement classée dans la famille des ursidés, endémique de la Chine centrale. Il fait partie de l'ordre des carnivores, même si son régime alimentaire est constitué à 99% de végétaux, principalement du bambou. Le panda géant a le pelage noir et blanc. Il est noir au niveau des oreilles, des yeux, du torse et des pattes, et sa queue est très courte, 13 cm. Il mesure jusqu'à 90 cm au garrot et peut atteindre la taille d'un homme adulte lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière. Il pèse en moyenne une bonne centaine de kilos, les mâles étant sensiblement plus gros que les femelles, les plus grands mâles dépassent 150 kilos. Il ressemble à un gros nounours bicolore. Souple comme un élastique, il peut jouer au funambule sur les branches des grands arbres ou à l'acrobate au sol, mais son grand plaisir consiste à se vautrer tranquillement sur un bon matelas de bambou. Il se déplace généralement au pas de l'ours, mais trotte aussi et, parfois, fait des petits bonds. On ne peut toutefois pas dire qu'il soit inactif puisqu'il collecte pendant environ 12 heures par jour une grande quantité de bambou, nécessaire à son alimentation. Vu à distance, les yeux du panda donnent l'impression d'être toujours fermés. Mais c'est une ruse pour que ses prédateurs croient qu'il dort alors qu'il a les yeux grands ouverts. Aux deux pattes antérieures, il a un sixième doigt fort pratique pour pouvoir manger le bambou. Ce doigt est en fait un os de la paume très grand, placé en opposition aux autres doigts et faisant office de pouce. Pour se protéger de ses ennemis, il grimpe dans les arbres ou utilise ses dents acérées. Malgré son air si doux, il peut être très agressif. Il n'a pas de tanière et se réfugie plutôt dans les crevasses des rochers ou dans des arbres creux. Il passe le plus clair de son temps libre à dormir, notamment à cause de la digestion de bambou qui est difficile pour son estomac. En effet, malgré leur régime essentiellement végétal, leur estomac est conçu pour digérer la viande, ainsi ils n'ont pas de mal à digérer les feuilles mais le travail de digestion est bien plus difficile pour la tige. Par conséquent, ils doivent manger en quantité pour combler le manque d'apport nutritif et ils dorment jusqu'à plus de 14 heures par jour pour évacuer la nourriture non digérée. Le panda vit dans de grandes forêts de bambou. Son habitat est réduit à 6 régions dispersées en Chine, dans des forêts de montagnes fraîches et humides situées de 1800 à 3500 mètres d'altitude. Les températures ne dépassent pas 22 degrés Celsius, ce qui fournit un environnement agréable où il est facile de se cacher. Il y a actuellement 12 réserves qui hébergent environ 60% des 1600 pandas survivants. Hélas, au sein de ces parcs protégés comme en pleine nature, les animaux sont éparpillés en minuscules groupes ne circulant pas librement d'une montagne à l'autre en raison des vallées occupées par l'homme, ce qui ne favorise pas la reproduction. Presque toute l'année, le panda est solitaire. Mais au mois d'avril, il se met à la recherche d'un compagnon pour se reproduire. Chaque femelle ne peut se reproduire que pendant un mois. La femelle grogne, n'a pas faim et ne pense qu'à une seule chose, rencontrer un mâle. Au pied d'un grand arbre, elle lève la patte arrière. Puis elle frotte son derrière contre le tronc pour le badigeonner d'un liquide qui sent très fort. Ce liquide, appelé musc, va attirer tous les pandas des alentours.
Il leur signale que la femelle est prête à s'accoupler. Il arrive que deux mâles s'affrontent pour une femelle. Parfois, l'un d'entre eux peut avoir de très graves blessures. La femelle peut s'accoupler entre le mois de mars et le mois de mai. Le bébé naît généralement en automne dans une grotte ou un tronc d'arbre creux. Il est tout rose, avec un léger duvet blanc. Aveugle et incapable de marcher, le panda géant atteint sa maturité sexuelle entre 5 ans et demi et 6 ans. Il ne peut se reproduire que quelques jours par an car la femelle n'est fertile que pendant quelques jours. La reproduction est très limitée. La femelle met bas après 5 à 6 mois de gestation d'un ou deux petits, rarement de 3. Comme ils sont minuscules, souvent un seul survit. Après la naissance, seule la mère s'occupe de son petit. Elle le protège et l'allait pendant 6 mois en le tenant avec ses pattes de devant sous son bras. Elle protégera son petit pendant 18 mois au total. 45 jours après sa naissance, le panda ouvre les yeux. À partir de 3 ans, il est capable de se débrouiller seul, il est autonome. Un panda nouveau-né mesure seulement 15 cm et ne pèse que 100 grammes. Il est faible, vulnérable, n'a pas de dents et a seulement un tout petit peu de duvet. Il naît tout rose, sans poils, avec les yeux fermés, et n'acquiert le pelage noir et blanc typique des pandas que bien plus tard. Il lui faut environ un an avant de pouvoir se tenir sur ses pattes. Il ne devient adulte qu'à l'âge de 5 ans. À un an et demi, il quitte sa mère pour aller vivre tout seul. Il peut vivre jusqu'à 25 ans en captivité. Le panda géant est omnivore, mais son appareil digestif étant celui d'un ursidé, il digère moins bien les plantes qu'une vache. Comme il digère très mal les tiges de bambou, il doit en manger environ 15 à 35 kg, 600 tiges de bambou, par jour. Il décortique l'écorce avec ses dents et mange surtout le cœur juteux et sucré, ainsi que les feuilles. Le panda géant mange 97% de bambou contre 3% de viande. Il passe 10 à 12 heures par jour à chercher de quoi se nourrir et à manger. Comme les tiges de bambou sont gorgées d'eau, le panda n'a pas besoin de boire. Le régime alimentaire du panda se compose de 50% de protéines et 39% de glucides complexes. Pour manger, il s'assoit sur les hanches, puis saisit sa nourriture avec ses deux pattes et la porte à sa bouche. Il n'hiberne pas comme l'ours, mais descend plus bas pour trouver de quoi s'alimenter. Le problème est que tous les bambous poussent d'une même espèce qui fleurissent en même temps, puis meurent. Ensuite, il faut attendre 20 ans pour que les tiges de bambou repoussent. Les pandas doivent alors quitter leur territoire et, parfois, partir très loin pour trouver une nouvelle forêt de bambou. Les pandas géants constituent une espèce en danger. Ils sont surtout menacés par la disparition et le morcellement de leur habitat parce que les forêts où vivent les pandas sont coupées, pour faire place à l'agriculture ou à la construction de maisons. Ainsi, les pandas ne voient pas seulement leur habitat disparaître, mais aussi leur source de nourriture la plus importante, le bambou. De plus, beaucoup d'espèces de bambou ont une caractéristique qui leur est propre. On assiste à une floraison, puis à la production de graines, de tous les bambous d'une même espèce. Parfois étalés sur quelques années, après quoi ces bambous meurent en masse, ce qui prive les pandas d'une large partie de leur nourriture, avant. Les pandas se rabattaient sur une autre espèce de bambou, mais la destruction de leur habitat rend la chose plus difficile. Leur fourrure remarquable est également une cause de leur disparition. Au marché noir, une peau de panda peut se vendre une somme très élevée, les pandas deviennent donc des cibles de choix des braconniers. En 2013, on estimait le nombre de pandas dans le monde à 1864.
En 1970, une étude établit qu'il reste environ 2500 pandas dans le monde. En 1980, une autre étude nous apprend que la moitié des pandas géants ont disparu en 10 ans. Grâce à la mise en place de mesures de conservation, interdiction de la chasse, création de réserves, on comptait environ 2000 pandas sauvages en 2014. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.